Eh bien, bonjour les amis. Petite vidéo suivie d'élevage. Componotus festinus. Belle grappe d'œuf. Maman. Des larves. Là, ça commence à augmenter, il commence à y avoir un peu plus de monde. Il y a des belles bêtes aussi hein, qui sont nées, il y en a encore qui vont naître là. Je ne sais pas si on patiente un peu. Je ne sais pas si elle n'est pas en train d'ouvrir un cocon là. Et ça va pas tarder en tout cas. Il y a deux beaux bébés là. Ils servent pas à grand chose, hein, ceux-là, hein. Un peu feignant ça. Hier, je leur ai donné des blattes. Voilà pour les festinus. On va passer à mes petites fédoles qui elles vont très bien. Ça pullule. Des beaux soldats là qui sont nés il n'y a pas longtemps. Ça, c'est mes petites crémato qui sont en tube. Voilà, tout va bien. Menicobarensis. Là, ça commence à y avoir des belles fourmis là, belles couleurs. Les gynes. Là, commence à y avoir vraiment des belles fourmis. Et puis là, ça commence à vraiment à pondre. Il commence à y avoir du monde, donc les gynes commencent à pondre vraiment. Ah, ça mange. Morceau de blatte. Là, les œufs, ça pond bien. Voilà pour les Nico.
On va passer au fella. Alors les fellas, c'est pareil. Ça commence à exploser là. Il y en avait 5, je ne sais pas si vous vous souvenez. Regardez. Là, il y a un beau bébé déjà. Ça commence à bien grossir. Il y en avait 5, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Il y a presque une vingtaine. Il n'y a pas dans l'aire de chasse, non. Ah ouais, ça se développe très très bien. Voilà pour les fellas. On va passer au Sanctus. Alors les Sanctus sont en train d'exploser aussi, hein, puisque il y en avait une quand je les ai eues. Regardez. Ils ont même rattrapé les fellas, je crois. Une belle grappe d'œufs là à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Il y en a plus d'une quinzaine. Elles ont rattrapé les fellas. Donc tout va bien. Voilà. Il y a des naissances maintenant presque tous les jours. Donc. C'est nickel. Voilà les amis, à bientôt. Merci de me suivre. Un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez, ça serait sympa. Et à bientôt.